Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore sur la chaîne très intéressante Nuance Reborn, notre chaîne principale. Nous avons deux autres chaînes, il s'agit de Nuance Reborn 2 et Nuance Reborn 3. Vous pouvez également vous abonner là-bas pour nous soutenir, c'est gratuit. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une autre histoire. Une histoire pas comme les autres. C'est une histoire assez compliquée, quelque chose qui va nous apprendre certaines leçons. Nous avons besoin de bien écouter, bien entendre, pour pouvoir faire moins d'erreurs dans la vie. C'est pourquoi nous sommes là. Franchement, mes frères et sœurs, si vous êtes nés dans une famille où c'est pas facile, c'est-à-dire c'est dur, même pour trouver à manger, c'est compliqué, ne désespérez jamais. Continuez à marcher avec Dieu et un jour, vous allez voir. Que c'est dans la persévérance, Dieu va vous des portes pour vous et votre vie vous risque de changer. Et vous, s'il vous plaît, soyez reconnaissant. Soyez très reconnaissant. Soyez reconnaissant. Remerciez tous ceux qui vous ont soutenu dans vos moments difficiles. Et ici, les choses vont être sérieuses. Écoutez bien maintenant. Écoutez bien. Il s'agit d'un homme. Un homme qui a perdu sa mère. Et quand il a perdu sa mère, il avait une seule chose qui venait d'elle. C'était un terrain. Un terrain. Et il y a eu un problème à un moment donné entre lui et son frère par rapport à ce terrain. Son frère voulait s'approprier ce patrimoine-là. Et ça a créé des problèmes entre les deux. Ce qui a fait qu'ils sont allés réussir de juger le problème devant leur père qui était vivant en ce moment-là. Mais il était vieux. Et quand ils sont arrivés devant leur père tout de suite a calmé cette histoire et il a révélé à son grand frère que ce terrain appartient bien entendu à ce petit frère qui est là. Et que sa mère lui a légué ce terrain-là. En fait, quelqu'un a donné ce terrain à sa mère, ou encore la famille à sa mère, et sa mère qui a hérité cela, elle a transmis ce terrain-là à son fils, à lui. Ça veut dire que chacun d'eux avait a reçu quelque chose, et ce terrain appartient à ce dernier qui est le petit frère. Mais le grand frère n'a pas accepté, il a discuté jusqu'à son père même, il était tellement dépassé, il s'est mis à crier de sa colère. Il a eu une crise cardiaque et lui aussi, il est mort. Voici comment l'histoire a commencé dans cette famille. Franchement, c'est pas du tout joli, joli. Et ça ne fait que commencer pourtant. Quelques temps plus tard, ils vont amener... On vous a dit que cet homme est mort de crise cardiaque. Et quelques temps plus tard, quelque chose de bizarre va se produire. Et la chose de bizarre qui va se produire est que son grand frère, l'aîné, qui n'a pas du tout apprécié le fait que ce terrain ait été donné à son petit frère, il va tout simplement se mettre à manifester un mécontentement vis-à-vis de son petit frère. Et pendant ce temps-là, sa femme va empirer la situation. Elle va mettre du piment dans la sauce, pour être plus clair. Ah! Un jour, il arrive à la maison après les enterrements de leur père. Il arrive à la maison et il a tout simplement dit à sa femme que franchement il avait besoin de ce terrain pour faire un truc, mais malheureusement son père a dit que ce terrain appartient à son petit frère, il ne peut rien faire. C'est à ce moment sa femme va lui dire, mais tu es l'aîné, il faut le persécuter à tel point qu'il te lui arrive même qu'il abandonne ce terrain là. Parce que qu'on va faire, ce que tu vas tout mettre en œuvre pour qu'on le chasse de la famille. Puisque tu es l'aîné et que c'est toi qui as la clé de la maison, il faut tout mettre en œuvre pour que cet homme, c'est ton petit frère se retrouve dehors. Voici comment il a comploté et il a tout mis en œuvre pour que ce dernier-là puisse se retrouver à la rue. Mais pendant qu'il était devant le portail en train de pleurer, il ne savait nulle part où aller, c'est à ce moment-là que une de ses camarades du quartier va passer. Elle va venir là, elle va le trouver en train de pleurer devant le portail. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, mon ami?
Je viens du boulot, mais je te trouve là en train de pleurer. C'est ce qu'elle disait. Et lui, en pleurant, il lui a raconté tout ce qui venait de se passer. Elle dit, mais dis-moi, tu n'as nulle part où aller, tu n'as pas d'amis. Il dit, non, je n'ai pas d'amis qui peut m'aider. Franchement, je suis perdu. Et à ce moment-là, elle était chez elle. Elle était chez elle. Et elle s'est dit que bon, il n'y a pas de souci. Viens, tu vas rester chez moi. Ah! Tu vas rester chez moi. Je vais rester chez toi. Je ne suis même pas ton parent. Tu m'acceptes chez toi. Elle dit non, ne t'inquiète pas. Tu es dans une situation difficile. Ça peut arriver à n'importe qui. Même moi-même, ça peut m'arriver. Si je peux t'aider, je vais t'aider. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais, tu es quelqu'un de bien. Donc, je vais le faire. Ah! Elle a accepté cet homme-là chez elle. Elle faisait des petits boulots, des petits travaux. Elle se débrouillait comme elle pouvait. Et lui, il n'avait pas de boulot. Il était à l'université. Il poursuivait ses études. Mais il avait besoin d'argent. Parce que quand tu es à l'université, vraiment, là-bas, c'est pas le but. Tu ne travailles pas. Et on suppose que tu es en train de poursuivre tes études pour le moment. Et vu qu'il avait besoin d'argent, il avait besoin de trouver de l'emploi. Il a demandé à cette jeune fille-là si elle peut vraiment lui donner quelques sous pour qu'elle puisse faire quelques démarches pour essayer de trouver de l'emploi. Elle dit, mais il n'y a pas de problème. Je vais t'aider. Voici comment cet homme a commencé à déposer des dossiers un peu partout pour essayer de s'en sortir. Son frère qui l'a combattu à cause de ce terrain-là, lui-même, là, son grand frère-là, il a de l'argent. Il est millionnaire. Il habite dans une très grande maison. Mais il est jaloux de son petit frère. À cause des terrains que son petit frère a refusé de lui donner. Parce que ça lui appartient. C'est son patrimoine quand même. C'est lui qui doit décider de lui donner ou pas. Mais il a combattu le petit. Et le petit, comme il a tout essayé, il a cherché du boulot, il n'y avait pas. Il s'est dit qu'il pouvait se rendre chez son grand frère. Comme son grand frère a l'argent et il a même une compagnie, il a une entreprise, il va rentrer, aller voir son grand frère pour que son grand frère puisse l'aider à trouver juste un boulot même dans son entreprise. Quelque chose à faire pour s'occuper, pour avoir un peu de sous, de l'argent, essayer de s'en sortir, se construire. Quand il est arrivé là pour voir son grand frère lui a dit que je ne peux pas te recevoir dans ma compagnie. Il dit, ah grand frère, je suis ton frère, je suis ton propre frère. Nous sommes nés d'une même mère et de même père. Ah, si tu ne fais rien pour moi, qui va m'aider? Aide-moi mon grand frère, tu as le pouvoir, tu as une compagnie, tu es millionnaire, tu as tout ce qu'il faut, regarde ta maison. Aide-moi s'il te plaît, juste trouve-moi quelque chose à faire. Son grand frère dit, franchement, moi je ne peux pas te mettre dans ma compagnie. Je ne veux même pas t'accepter dans ma compagnie. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est comme ça, si tu ne veux pas m'accepter dans ta compagnie, s'il te plaît, donne-moi juste un peu d'argent ou encore de l'argent qui va me permettre de monter une entreprise, une affaire pour essayer de me débattre parce que je ne peux pas rester comme ça. Son grand frère l'a regardé bien et il lui a dit, ah d'accord, là tu commences à parler comme un homme. Ok, tu dis tu n'as pas d'argent, mais tu as de l'argent. Il dit, comment ça? Il dit, si tu veux de l'argent, vends-moi ton terrain. Si tu veux de l'argent, vends-moi ton terrain. Or, ce terrain-là, c'était une propriété que le maire l'a ligué. Donc, il ne voulait pas vendre ce truc-là. Il ne voulait même pas vendre cela. Surtout à son grand frère, avec tout ce qui s'est passé, son père est décédé dans cette histoire. Il a refusé, il est parti. Son grand frère ne l'a pas aidé. Il ne pouvait rien faire. Et cet homme s'est retrouvé dans les problèmes. Pendant qu'il quittait son grand frère, il a eu un accident sur la route. Et quand il a eu un accident sur la route, il est allé à l'hôpital. Et c'est là, toutes ses connaissances qu'il a eues à l'université vont venir lui rendre visite. Et parmi ces connaissances-là, il y a une fille qui l'a vue une première fois. Il a demandé juste des renseignements à cette fille et sa camarade. Et elle l'a vu juste une fois. Et du coup, elle a aimé, elle a apprécié. Elle est issue d'une famille très riche. Et son père est vraiment un grand de ce pays-là même.
et il compte être le chef, c'est-à-dire un chef dans ce pays. On va dire genre comme un député et tout de ce genre. Et elle avait les moyens de l'aider. Et c'est elle-même qui a payé les frais médicaux et un peu de tout. Plus tard, quand elle est retournée chez lui, pendant qu'il se trouvait à l'hôpital, elle a trouvé le propriétaire de la maison qui venait là pour demander son argent. Il dit que ça fait 4 mois, le gars n'a pas payé le loyer, son bail. Il doit vraiment tout faire pour respecter le contrat de bail. Ah, comment elle va faire? Il veut mettre le chasser de la maison. Et elle a des problèmes, elle le regarde. Elle dit, bon, ok, il vous doit combien? Il a dit la somme et elle a compté l'argent là qu'il a demandé sur place. Elle a de l'argent. Elle a compté sur place et tout ça, elle lui a donné. Et il était tellement étonné qu'il a commencé à parler bien de ce jeune homme. Oh, c'est un homme bien. Ah, ce gars-là, c'est un gars qui est bien. Bon, de toute façon, c'est son argent qui l'intéresse. Sinon, quelle histoire déjà fait de bien ici? Et quand cet homme s'est rétabli, il a remercié cette jeune fille. Et quand cette jeune fille l'a accompagnée chez lui, c'est là qu'elle lui a dit que franchement, elle apprécie beaucoup et qu'elle l'aime. Ah! Il était étonné. Lui, il n'a jamais entendu ça de toute sa vie. C'est la première fille. Bon, on va dire que il a connu d'autres filles dans le passé. C'était son ex, mais c'était la première fille qui lui disait carrément qu'elle l'aimait comme ça. Ah! Et lui, il était embarrassé. Il ne savait pas quoi faire, quoi dire non plus. Donc, ce qui s'est passé, est que il a appelé la fille qu'il a hébergée là. Et il a commencé à lui demander des bons conseils. Il dit, franchement, ma jolie, regarde ce qui vient de m'arriver. Tu te souviens qu'il y a une fille qui m'a aidé à l'hôpital, la fille qui a payé les frais et toutes ces histoires-là. Aujourd'hui, elle m'a avoué ses sentiments. Elle dit qu'elle m'aime. Je ne sais pas quoi faire. Moi, je suis un pauvre type. Elle est issue d'une famille riche. Et elle dit qu'elle m'aime. Ça ne peut pas marcher. Comment ça va fonctionner? Ah, est-ce que ses parents vont m'accepter? Moi qui suis... Qui n'ai pas du boulot. Et il a dit ça, c'est pas pour rien. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Mais avant cela, la fille va lui dire que si elle t'aime franchement, il faut l'accepter parce qu'elle est une bonne fille. Elle a un bon cœur. Vu tout ce qu'elle a fait pour toi, c'est une bonne fille. Tu peux l'accepter. Donc lui, déjà dans son cœur, il a commencé à se créer une place pour la fille. Elle était gentille, elle est gentille. Elle a fait beaucoup de choses pour lui. Et lui, il a apprécié cela. Il a même commencé à l'aimer. Vu son comportement, ça crée une place grandement dans son cœur pour elle. Et la fille de son côté, son père voulait forcément devenir le député, genre le député, le chef de leur pays. Donc, pour y parvenir, il voulait tout mettre en œuvre pour que sa fille marie celui-là même qui est bien placé pour lui donner ce poste. Oui. Pour bien battre sa campagne afin qu'il puisse gagner. Ah! En même temps, il voulait que sa fille marie quelqu'un qui est issu d'une bonne famille. Et il a présenté sa fille à un homme. Et c'était le fils à un autre chef de leur pays. Sa fille, elle aimait déjà une autre personne. Elle ne pouvait pas accepter. Donc, elle a tout mis en œuvre n'est pas que ça se réalise. Elle s'est même mariée et elle a mené la vie dure à la personne qui l'a mariée, histoire de lui faire comprendre que franchement elle n'était pas d'accord avec ça, mais ils l'ont forcé. Lui aussi, il a ramené ses bagages à la maison. De l'autre côté, son père était là, il se posait la question de savoir mais quel est le problème, et qu'elle a découvert que c'est un autre homme qui a pris le cœur de son fils, de sa fille plutôt. Il a décidé de lui faire du mal. Voici comment il envoie les gens pour kidnapper ce dernier. Et ils l'ont enfermé quelque part. Ils l'ont même torturé
pendant 4 jours, il n'a pas mangé. Ah, quand la fille a découvert cela, elle a tout mis en œuvre pour essayer de libérer son ami ou encore son fiancé, celui-là même qu'elle a choisi, que son cœur a choisi. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a menacé son père d'aller voir la police pour tout raconter là-bas, afin que lui puisse le libérer tout simplement. Mais son père, il riait. Il riait parce qu'il savait qu'il avait le contrôle sur tout dans le pays. Et que même les policiers là-bas, les chefs là, ils mangent sous sa main. Et il a le plein contrôle sur lui. Il dit, il n'y a pas de souci, va à la police, il riait même. Effectivement, quand elle arrivait à la police au commissariat, elle a vu le commissaire de police, elle lui a tout expliqué. Le commissaire de police l'a regardé comme ça, il a dit, franchement, quand j'analyse ton affaire, je vois que c'est une histoire de famille. Rentre à la maison. Il n'a rien pu faire pour elle. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait un bras long qui a déjà payé pour qu'il n'intervienne même pas dans cette affaire. Et finalement, elle a dû tapoter. Elle allait plutôt voir les personnes même qui sont, c'est-à-dire ceux-là même qui sont censés voter pour lui. Là. Les grands chefs du pays sont censés voter pour qu'il soit au pouvoir là. Waouh! C'est lui qui sent le voir. C'est sans eux qui sont elle a le voir. Ah! Quand elle est arrivée là-bas, ce qui s'est passé est qu'elle a tout révélé devant eux. Et eux, ce sont des gens qui sont sages. Ce sont des personnes sages. Et ils ont regardé la situation. Ils entendent la fille parler. Ils regardent la fille, ils disent, ah, est-ce que c'est vrai? Ils regardent le monsieur aussi. Ils disent, mais Chief, est-ce que c'est vrai ce que ta fille a dit de dire? Il ne sait pas quoi dire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et sa fille a dit, un homme pareil, il peut pas gouverner, il peut pas être chef, on peut pas le nommer le chef ici, non, c'est pas possible. Donc il faut qu'il libère d'abord mon petit ami et puis revoyer son cas. Et de l'autre côté, les chefs aussi, ils étaient là, ils disent vraiment, nous on peut pas te lire, on peut pas te mettre au pouvoir en sachant que tu as kidnappé quelqu'un. Fais tout ce qui est son possible pour libérer cet homme le plus rapidement possible. Et le monsieur a été contraint de libérer cet homme qui n'a même pas mangé depuis 4 jours, on vous l'a dit. Il est rentré dans la maison. Et tous ces événements se sont produits après son accident, on vous le dit. Il avait mal partout. Il n'avait pas mangé. Et la même fille qui l'a hébergé là, c'est elle encore qui lui a donné à manger, qui s'est occupée de lui, qui a tout fait. Vraiment, il était bien. Et cet homme-là, plus tard, a reçu la visite de cette jeune fille. Et qu'elle est arrivée là, elle lui a demandé si ça va, elle lui a dit, comment peux-tu me demander si je vais bien, ça va pas. Comment tu regardes ce que ton papa m'a fait. Est-ce que c'est comme ça qu'on traite les gens, hein? C'est quelle histoire ça? Elle dit, pardonne-moi, franchement, pardonne-moi. Je sais que c'est moi qui t'ai attiré tous ces ennuis là, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu sais que je t'aime beaucoup, je veux pas te laisser. Ah, pardonne-moi. Est-ce que tu as mangé? Il dit oui, j'ai mangé, c'est occupé de moi. Ah, est-ce que tu as bu de l'eau? Il dit oui, j'ai tout fait. Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as pu ce... Waouh! La fille, elle aime le gars. Le gars l'aime aussi. Mais comme il est pauvre, les parents de la fille ne veulent même pas aller le voir. Et son père même veut le tenter de le torturer pour qu'il abandonne l'affaire. Donc la fille va décider d'essayer de le mettre en contact avec un homme qui va mettre en valeur ce dossier ou encore ce diplôme. Voici comment cet homme s'est retrouvé dans un hôtel en train de gérer. Bon, c'est-à-dire il travaillait avec la réceptionniste. Il était bien habillé, il recevait tous ceux qui venaient et c'était ça son boulot. Et pendant qu'il recevait les gens là, il y a son ex-copine de l'université qui est venue avec un gars. Elle, son travail, c'est la prostitution. Elle était avec lui. Elle a laissé parce qu'il n'avait pas l'argent. Il n'avait pas l'argent pour s'occuper d'elle. Et voici, elle veut le retrouver là, dans l'hôtel où elle a l'habitude de venir, avec son copain qui passe sur elle matin, midi, soir. Oh, mes frères et sœurs,
que Dieu nous pardonne. Et nous-mêmes, prenons des actions pour nous aider à sortir de ces vilaines choses, s'il vous plaît. C'est très important. Et quand elle a vu là, elle était même dépassée. Elle était même étonnée de le voir. Mais elle ne pouvait rien faire. Il était là. Et elle voulait essayer de le séduire même devant même sur le gamin qu'elle a envoyé. Il a refusé. Le gars est sorti. Voici comment les deux se sont séparés. Ça veut dire que la position qu'occupait cet homme-là maintenant lui permettait de faire quoi? Lui permettait de rencontrer beaucoup de personnes, des gens qui viennent, qui sortent, qui viennent ici, ils repartent. Et voici qu'un jour, un seul jour pour Dieu pour intervenir dans votre vie. Un seul jour. Quelque chose va changer. Que va-t-il se passer? Un jour, alors qu'il recevait les gens, il va recevoir la visite d'un de ses bons amis de l'université. Son bon ami va venir également avec son collègue de travail, un homme d'affaires puissant de leur pays. Ah! Quand les deux vont se rencontrer, oh! Ils vont se souvenir de bons vieux temps. Ils vont s'embrasser comme des frères. Oh mon ami, tu es joli. Ah! Mais regarde comme tu es beau. Il sort de se lancer des éloges même. Ah, toi, tu es vraiment beau. Hein. Tu regardes comme tu es bien habillé. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Il pose la question à cet homme qui était pauvre. Il dit, ah, franchement, comme tu as vu à l'université, j'étais pauvre. Et il y a une fille qui m'a vraiment aidé. C'est elle qui m'a envoyé ici. Elle est vraiment gentille. Il dit, ah, vraiment, elle est gentille. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu es devenu? Il dit, vraiment, moi, je suis un homme d'affaires. Hein. Je suis vraiment un homme d'affaires. Mais avant d'aller plus loin, pour lui dire, avant d'aller plus loin, allons quelque part, je vais vous donner à soir, je vais bien vous recevoir dans l'hôtel. Est-ce que vous voyez un coin pour boire quelque chose? Et les trois se sont mis à boire quelque chose, essayer d'échanger des idées. Du coup, cet homme d'affaires qui est son ami va commencer à lui poser plus de questions sur ce qu'il fait concrètement dans cet hôtel. Et quand il va découvrir que ce jeune homme est juste un réceptionniste, il va lui proposer quelque chose qui peut l'aider à améliorer sa condition de vie. Voici comment il va lui dire que cet homme qui est devant lui, avec qui il est venu, c'est un puissant homme d'affaires avec qui il travaille. Et ces temps-ci, il prévoit monter un vrai business en Chine. Et puisque lui, il est là, il pense que lui, il pourrait les aider à faire certaines tâches très importantes dans leur business. Est-ce que tu as un passeport? Parce que nous comptons voyager avec toi la semaine prochaine. Quoi? Eh bien, what? De quoi tu me parles? Il s'est levé tout de suite. Il a commencé à danser. Et il a regardé son ami et dit, mais attends aussi, moi je suis un pauvre type comme ça, tu vas me demander si j'ai un passeport international. Je n'ai pas. Attends aussi. Il dit, t'inquiète pas, on va s'occuper de ça. Voici comment cet homme-là a rencontré son ami. Et comme vous le savez, Dieu ne dort pas. Dieu se souvient toujours des pauvres. Et voici comment une porte s'est ouverte pour lui. Et le voyage était devant lui. Il devait aller en Chine. Il a donc appelé sa copine, ou encore sa fiancée, la fille de cet homme riche là. Et il lui a informé de cela. Et elle avait peur. Elle avait peur que son fiancé quitte le pays et il trouve une autre femme là-bas et qu'il oublie et qu'il brise son cœur. Waouh, c'était compliqué. Elle ne voulait pas le laisser partir. Mais elle devait aussi le faire parce que c'était une belle opportunité pour lui. Il a promis à cette fille qu'il ne briserait pas son cœur. Et quelques temps plus tard, il allait en Chine. Et là-bas, les affaires ont commencé à bien tourner pour lui. Il aura du succès avec tous ses amis. Au point où cet homme va commencer à investir dans le pays. Il va mettre sur place une société de vente de voitures. Voilà. Et les gens vont commencer à vendre ses voitures. Un jour, même son grand frère, même qu'il a chassé de sa maison, là, il va venir dans son parking, il va venir dans cet endroit-là. Il essaie de comprendre, acheter une voiture. Et quand il va arriver là, il va dire franchement, cette compagnie n'est bien, tout est joli ici. Mais qui est le propriétaire de cette compagnie? Quand ils vont lui dire le nom de celui-là, même que le propriétaire de cette compagnie, et qu'il va savoir quoi que c'est son propre frère, il sera tellement dépassé qu'il ne va pas croire même du tout. Mais avant, celui-là même qu'il a reçu là,
il va lui poser certaines questions encore. Il va lui dire, mais vraiment, qui est cet homme? Il dit, cet homme-là était un homme pauvre. Son grand frère l'a rejeté. Et comme son grand frère l'a rejeté, Dieu a mis sa main sur lui à un moment donné, il s'est retrouvé en Chine. Et voici le résultat aujourd'hui. Ah! Et il faut voir son grand frère, le médecin te dit, ah, son grand frère là, s'il est mauvais, si c'est moi, je ne vais jamais lui pardonner. Lui, cet homme-là, c'est un homme maudit, mais pourquoi, comment l'homme peut-il être mauvais comme ça? Comment l'homme peut-il faire un truc pareil à son propre frère? Et c'est quand ils vont lui dire le nom de la personne, et qu'il va se rendre compte que c'est lui-même. Ah! On le voit maintenant. Ah! Il ne peut plus rien dire. Il est étonné. Le monsieur qui était de lui de le renseigner aussi, lui aussi il était dit, mais ah monsieur, est-ce que vous allez bien? Il ne peut pas lui dire c'est mon petit frère, parce qu'il a dit que la personne qui a fait ça à son grand frère, vraiment, il est. On ne doit pas lui pardonner. Oh, c'est lui-même. Regardez ça. Donc la vie de ce jeune homme a changé. Et cet homme a continué cette investigation. Cette investigation, il a commencé à investir. Il a même commencé à construire une maison, une grande maison dans le pays. Et sa fiancée qui se trouvait dans ce pays, elle était contente. Elle se disait que les choses vont bien chez son homme, chez son fiancé, et que quand il va revenir, franchement, ce serait bien de le rencontrer, puisque elle s'est privée d'hommes peut-être tout ce temps-là, rien que pour lui. Mais rien que pour lui. Il y avait des hommes riches qui étaient venus pour la marier, mais elle a refusé, elle a même divorcé, tout ça, rien que pour lui. Ah, donc, franchement, elle attend. Et cet homme, effectivement, quelques temps plus tard, il va venir. Quand il va venir dans le pays, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas venir seul. Il sera accompagné. Accompagné par qui? Accompagné par une femme. Quoi? Qui est cette femme? C'est sa fiancée. Une autre fiancée. Une autre femme. Ça veut dire qu'en clair, il est tenté de briser le cœur de cette fille. Et cette fille-là, elle ne savait pas que cet homme avait une fiancée. Un jour, elle est arrivée là. Qu'elle est arrivée chez lui, elle était contente de le voir. Elle est arrivée là, elle a sauté dessus, elle a commencé à l'embrasser en même temps où. Voici sa nouvelle fiancée qui est arrivée. Elle se le regarde, elle dit, mais chérie, qui est cette fille-là? Pourquoi elle t'embrasse ici? Il ne sait pas quoi dire, il est entre les deux. Qu'est-ce qu'il va dire à l'autre? Qu'est-ce qu'il va dire à l'autre? Quand il était en Chine, celle avec qui il est venu là, c'est elle qui l'a soutenu là-bas. Or, quand il était dans ce pays, dans son pays, avant d'aller en Chine, quand il était ici, il était dans la pauvreté, celle qui l'a soutenu, c'est cette fille-là aussi qui est venue. Il est entre les deux. S'il laisse celle qui l'a amené en Chine, qui l'a fait venir de Chine, qui l'a aidé en Chine, il va perdre 10 millions de dollars. Parce qu'elle a de l'argent, elle a aidé. S'il prend sa ancienne copine, il se sentira heureux parce que, franchement, il va se sentir bien dans sa peau parce qu'il a été reconnaissant. Donc, il est face à ce dilemme. Finalement, il allait voir quelqu'un. Pourquoi lui donner de bons conseils? Et il est venu, il est retourné à la maison 2 jours plus tard. Et il était face à sa nouvelle fiancée. Et il va maintenant lui avouer certaines choses. Il va dire, chérie, tu sais, là, il y a 2 jours, il y a une fille qui était venue ici. Et cette fille-là, elle, ce n'est pas n'importe qui. Je ne dois pas mentir pour dire qu'elle ne m'a pas été. En fait, quand j'étais dans les problèmes, c'est elle qui a tout fait pour moi. Elle m'a soutenu, elle m'a lavé, elle m'a aidé, en un mot. En fait, c'est elle-même que je veux épouser. Ah! Et moi, qu'est-ce que tu fais de moi? Elle dit, vraiment, il dit, vraiment, je pense que tu vas partir. Elle dit, tu vas partir, comment ça? Tu m'as amené ici, tu es pour m'humilier comme ça. Ah! Donc cet homme est entre les deux filles. Et parmi qu'il est entre les deux filles, voici encore une troisième fille qui a découvert qu'il est devenu riche. Et elle arrive maintenant avec ses talons chez lui. Kako, kako. Selon vous, c'est qui? Ça sera qui? Ça sera qui selon vous? Si vous avez bien suivi la partie, nous allons vous dire. Quand il était pauvre là, il était à l'université, il avait une copine.
elle l'a laissé parce qu'elle s'est dit que il ne veut pas l'entretenir. C'est sa même copine là qui est venue. Après toutes ces prostitutions qu'elle a faites, elle revient vers lui. Et elle lui dit, chérie, s'il te plaît, je suis venu vers toi. Excuse-moi, pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé. Reprenons nos relations. Il dit, tu dis quoi? Tu n'as même pas honte. Regarde ce que tu viens de dire. S'il te plaît, sors de ma villa. S'il te plaît, sors d'ici. Il l'a chassé. Il dit, non, faut partir. Déjà, lui-même, il a un problème de choix entre celle qu'il a amené et l'autre même qu'il a aidé depuis, c'est-à-dire qu'il a aidé quand il était ici. Et elle-même, elle est choquée parce qu'elle a appris que cet homme l'a trompé et a brisé son cœur quand il est allé en Chine. Ah! Comment elle va faire? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va décider d'être un bon gars. Cet homme va décider d'être quelqu'un de bien. Il va se souvenir de ces moments difficiles. Du temps où il était dans la galère, il n'avait rien. Et c'est là qu'il va décider de rendre visite aux parents à cette fille qu'il a été, qu'elle était ici. C'est-à-dire ses parents à cette fille, ce sont les parents à cet homme riche qui l'a frappé pendant 4 jours qu'il n'a pas déjà mangé là. Il va aller là-bas et c'est pourquoi faire. Ok, nous allons vous le dire. Quand il va arriver là-bas, il va déjà saluer cet homme riche, ce qui est son père. Et cet homme riche ne peut pas le rejeter parce que cet homme est bien habillé, il a une voiture, il a tout, il est devenu riche. Donc il est étonné. La première chose que cet homme riche a dit, c'est il a levé les yeux vers le ciel et il a dit, oh mon Dieu, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, premièrement. Et toi, je te pardonne mon fils. Et puis tout de suite au père, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu te faire. Pour tout ce que j'ai pu te faire dans ce moment-là. Pardonne-moi. Il dit, papa, t'inquiète pas. C'est oublié. Il dit, ok. Mais dis-moi, pourquoi tu es venu nous voir aujourd'hui? En ce moment-là, cet homme était venu avec son ami, un bon ami. Et c'est son ami-là qui va mettre à prendre la parole pour dire que si nous sommes là, c'est parce que nous sommes venus demander la main à ta fille. Il veut l'épouser. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ah! Son père a l'habitude de proposer ou encore d'imposer un homme à sa fille. Mais après tout ce qui s'est passé, il a compris que sa fille a le droit de choisir l'homme de son cœur. Donc, comme un homme sage, il a regardé sa fille et il a posé la question de savoir, mais dis-moi, ma chérie, ma fille, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu es d'accord avec tout ce qu'il a tenté de dire? Elle dit, oui, papa, je l'aime, je l'accepte. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est que nous, si nous sommes honorés, on l'accepte dans notre famille. Ah! Buvons la bière! Bon, il y avait une boisson, il y avait un vin, buvons le vin! Pour fêter ça, on va fêter, il est joli. Bon, de toute façon, quand tu as l'argent, tu es joli. Même si tu es fini, on dit que tu es joli. Il a l'argent maintenant. Vraiment, ce qui se passe dans notre société, malheureusement, c'est ce qu'il est. Ce qu'il en est, on n'y peut rien. Mais il faut être vraiment quelqu'un de bien. Et cet homme va pousser encore sa bonté. Il sera encore plus reconnaissant. Et il va tout simplement se mettre à faire du bien à tous ceux qui l'ont soutenu dans ces moments difficiles. On vous a dit que quand il était en Chine, il a tout simplement installé une entreprise de vente de voitures, n'est-ce pas? Oui. Et cette entreprise de vente de voitures, il a donné beaucoup d'argent à un homme pour entretenir cette entreprise. Et cet homme-là a bien travaillé. Il a fait en sorte que les affaires de cette entreprise, ça marche comme si c'était lui-même son business. Et quand cet homme est venu et il a vu ce résultat, il était accompagné de sa femme et, ou plus ou moins de sa fiancée. Et il a regardé cet homme et il lui a posé une question. Il lui a dit, dis-moi mon frère, franchement tu as bien travaillé, hein? Tu as bien fait, tu as pu cette entreprise comme mon entreprise. Et franchement, c'est bien. Mais dis-moi, de tout
de tous les véhicules qui sont ici, de tous les véhicules qui sont ici plutôt, dis-moi, quel est le véhicule qui te plaît le plus? Cet homme a regardé il a regardé de tout cet endroit-là. Il y a des véhicules très chers. Très, très chers. Mais, et son choix est pour se porter sur un véhicule. Il dit, je sais que ce véhicule te plaît vraiment bien. Il dit, oui, franchement, ça me plaît. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle est à toi. Cette voiture, elle est à toi. Ah! Patron, de quoi tu parles? Il dit, je te dis, ça t'appartient. Sa femme dit, oui, il te le donne. C'est un cadeau, faut pas ça. Tu as bien travaillé, alors on te récompense. Quoi? Il a donné un véhicule. Et la voiture la plus chère de ce... Waouh! Franchement, cet homme était bien. Moi-même là, si Dieu permet, c'est ce que je vais faire. Ah! Il était reconnaissant. Et ce n'est pas tout. On vous a dit que quand son grand frère l'avait chassé de la maison là, il s'était retrouvé dehors. Il y a une fille qu'il avait reçue. C'était une fille du quartier. Un jour, il a appelé cette fille. À ce moment-là, elle-même, elle avait déjà un homme dans sa vie maintenant. Et cet homme-là ne connaît pas ce jeune homme. Mais elle, la fille, elle le connaît très bien, bien entendu. Et il lui a demandé de venir. Et les deux, c'est-à-dire, les 16 jeunes filles et son ami, ou encore son fiancé, et lui, avec sa fiancée, les quatre se sont rendus, ou encore ces deux couples, se sont rendus dans un endroit où il y avait des maisons à vendre, en vente. Et il est arrivé là, avec ces jeunes filles, et ils se sont positionnés juste là devant une belle maison, une belle et grande maison. Et quand cette jeune fille est arrivée avec son homme, il était très content de la voir, et il a dit franchement, merci. Il a dit à la fille, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Je n'étais ni ton frère, ni quelqu'un de ta famille, ni quelqu'un d'éloigné qui se trouve quelque part de ta famille. Mais tu m'as accepté dans ta maison. Tu m'as nourri. Tu m'as donné à boire. Tu m'as donné de l'argent. Tu as tout fait pour moi. Comment puis-je te remercier? Un simple merci ne serait pas suffisant pour te dire combien de fois tu étais gentil avec moi et combien de fois je veux vraiment te remercier. Ce que je veux vraiment faire pour toi, c'est ça. Est-ce que tu vois la maison qui se trouve là devant, derrière toi? Derrière nous? C'est-à-dire derrière moi? Elle dit oui. Elle t'appartient. Tiens, voici la clé de sa voiture, de cette maison. Quoi? Moi? Eh bien, il y a lieu sinon quoi? À cette heure de la compétition, à ce niveau de la compétition, tu me donnes une maison à ce moment-là? Eh bien, je vais bénir Dieu. Il dit, mes frères et sœurs, cette fille-là, elle était tellement dépassée par cette nouvelle. Elle est tombée tout de suite sur ses genoux. Elle dit, merci. Il dit, non, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, s'il te plaît. Lève-toi devant. Lève-toi. Ah, tu as trop fait pour moi. J'étais pauvre. Regarde, même mon propre frère m'a chassé. Il n'a pas pu m'aider. Toi qui ne m'as pas connu, c'est toi qui m'as aidé. Franchement, merci. Elle était dépassée. Et il a regardé l'homme qui était avec cette fille. Et il a dit, franchement, vous, je ne vous connais pas. Mais puisque vous êtes avec elle et qu'elle vous aime bien, ne vous inquiétez pas. Je vous donne là maintenant 3 millions de dollars. C'est pour vous. Ah! Cet homme était dépassé lui aussi, là, devant genoux. Ah, mais Seigneur, mon Dieu, tu es joli. Et merci, monsieur. Pour la première fois, je vous rencontre. Regardez ce que vous faites pour ma fiancée. Regardez ce que vous faites pour moi. Franchement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il dit, oh, que Dieu soit béni. Merci à vous. Merci, merci, remercie encore ta femme, ta fiancée. Elle était vraiment une bonne femme, une bonne personne pour moi. Je ne l'oublierai jamais. Il a été reconnaissant. Et plus tard, il s'est marié. Pendant qu'il était en train de se marier, voici une sorcière qui va se lever. Vous voyez que quand on doit se marier, là, il y a des gens qui se lèvent. Bon, parfois on pose la question de savoir, mais qui sont ceux qui sont contre ce mariage? Si tu es contre ce mariage, tu peux te lever. Mais la plupart du temps, on n'en trouve pas. Mais ce jour-là, il y a une autre personne qui sera en train de travailler dans l'ombre pour pouvoir détruire ce mariage-là.
Vous savez c'était qui? Vous savez qui c'était? C'était sa la fille, son ex de l'université. Celle-là même qu'il a laissée parce qu'elle s'est dit que elle s'est dit qu'il ne pouvait pas s'occuper d'elle. C'est elle maintenant qui est tentée de faire de la qui est allée voir la sorcellerie pour qu'on fasse la sorcellerie. Qui est allée voir putain féticheur pour qu'on fasse de la sorcellerie ou encore lancer un sort à ces gens-là pour qu'ils ne puissent pas se marier. Mais ce féticheur qui a fait ce bagbadji là, ou encore il était de faire ce kappa, ou encore ce médicament là, on ne sait pas d'où est venu l'éclair, ça l'a touché là-bas, parce que cet homme-là, mine de rien, Dieu était avec lui. C'est pourquoi, malgré les situations qu'il a traversées, Dieu l'a soutenu. Et c'est pourquoi il a manifesté de tels fruits de l'esprit. Cet homme était bien, il était reconnaissant. Vu la manière dont il a été reconnaissant, quand j'ai vu son histoire, je me suis dit franchement, il faut que nous vous partagions cette vidéo pour vous dire, mes frères et sœurs, si quelqu'un vous a fait du bien, quand vous étiez dans les problèmes, une seule chose à faire, soyez reconnaissant, soyez honnête, soyez reconnaissant. Soyez toujours reconnaissant. La fille qui vous a soutenu, là, il faut être reconnaissant, il faut l'honorer. Il y a même des femmes qui se sont sacrifiées pour vous, qui ont tout fait pour vous, parce qu'elles vous aimaient. Vous les avez promis le mariage. Maintenant que vous êtes bien, vous les avez oubliés. C'est le moment de vous souvenir que vraiment vous devez être reconnaissant. Toutes les personnes que vous avez blessées, oh, ces personnes-là étaient vos frères. Franchement, c'est le moment de vous ressaisir. Et Dieu merci, son grand frère est venu lui demander pardon chez lui à la maison. Son grand frère est venu lui demander pardon pour tout ce qui s'est passé. Et parce que lui-même, son grand frère, il s'est rendu compte que sa femme, qui lui donnait de mauvais conseils là, et qui lui a même proposé que son frère, c'est-à-dire le frère à sa femme, vienne travailler dans son entreprise. C'est le frère à sa femme qui a commencé à gâcher tout son business. Et finalement, il a renvoyé sa femme. Il a mis sa femme même dehors. Il a découvert même que c'était le serpent qui mettait la division en lieu de son frère. Il est venu demander pardon à son frère tout simplement. Et Dieu merci, son frère a accepté cela. Et cette histoire, quand on regarde bien cette histoire nous rappelle exactement ce qui s'est passé avec Joseph et ses frères. Joseph avait beaucoup de songes. Et ces songes révélaient de grandes choses, un avenir glorieux. Ses frères se sont donc ligués à un moment donné contre lui pour le persécuter. Ils l'ont même jeté dans un puits. Dieu merci, il n'est pas mort ce jour-là. Parce que Dieu avait un plan. Cet homme s'est retrouvé dans un autre pays. Ils l'ont même emprisonné là-bas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'intelligence que Dieu lui a donnée, ce que Dieu a mis en lui, a pris de la valeur sur tous les problèmes qu'il avait. Et voici comment Dieu a permis qu'il soit élevé et qu'il rencontre même Pharaon, qui est comme le président. On peut dire qu'il est plus qu'un président. En ce temps, il est plus qu'un président. Quel président en ce moment même était plus riche que lui? Et cet homme, Joseph, était devenu comme le ministre. Un homme qui était pauvre, un homme qui était simple. Il est passé d'un niveau A à un niveau B. Bon, on va dire Z, parce que tellement c'était haut. À part Pharaon, personne ne le commandait. Ah, quelqu'un va dire, c'est l'humilité qui précède la gloire. C'est l'humilité qui précède la gloire. Il faut être humble. Il faut vraiment être quelqu'un de loyal. C'est bien. Tout ça, c'était bon. Ce sont de bonnes choses que tu peux poser comme action. Il faut pouvoir être bien. Souviens-toi de tout ce que tu as aidé. Même souviens-toi de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné Dieu. Tu étais dans la pauvreté, dans les problèmes. Dieu t'a aidé. Dieu merci, les affaires marchent. À cause des affaires, tu ne reviens plus à l'église. Tu ne pries même plus comme avant. On n'entend même plus parler de toi. Si tu passes à côté de cette vidéo, regarde, souviens-toi de là où tu es né. Tu étais dans la pauvreté. Tu t'as secouru. Ou bien Dieu est passé par quelqu'un pour t'aider. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant, mon frère. Il faut être reconnaissant, ma soeur. Ah, nous n'avons pas dormi. Il sera bientôt 5 heures du matin encore. Mais nous nous sommes dit qu'il faut qu'on vous raconte cette histoire et qu'on partage cette vidéo afin que vous puissiez voir là maintenant toutes ces histoires afin de pouvoir en tirer de bonnes leçons. Qu'est-ce que vous a marqué de cette histoire?
Merci de la partie commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur l'abonnement de cette vidéo, cliquez sur la cloche pour l'activer. Et en cliquant sur Jeunesse Rebond, vous aurez accès à nos deux autres chaînes YouTube. Il s'agit de Jeunesse Rebond 2 et de Jeunesse Rebond 3. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Soyez de bonnes personnes. Et quel que soit ce que vous traversez comme difficulté dans votre vie, dites-vous que là devant vous, c'est toutes de belles choses. Surtout quand vous persécute même là. C'est tout, surtout quand les gens se lèvent contre vous. Ah, c'est que là devant vous, c'est toutes de belles choses. Dieu vous voit. Et Dieu va accomplir de belles choses avec vous. Mais vous, affrontez les difficultés. C'est votre chemin. C'est votre croix. Il faut la porter. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs.